de retour pour la suite de cette émission. Nous avons les trois Vitality en... Ah, je ne t'ai pas rajouté Alpha 54, mes excuses, j'ai fait n'importe quoi puisqu'on a changé de caméra. Mais vous les voyez, il y a K-Dop, il y a Ferripic, les titres sont inversés parce que je suis un petit peu un sgeek, mais en tout cas, ils sont là. Comment ça va les gars? K-Dop, comment tu vas? Bah, salut tout le monde, ça va très bien, ça va très bien. Et vous? Ça va, ça va. Nickel. Ça va, ça va. Tout le monde se porte bien. Ferry, la forme, le titre, ça va? Écoute, tranquille. Bon, un bon début de semaine, quoi. Après, pour gagner, ça fait plaisir de se lever tous les matins. Et d'être champion, voilà. Quoi. Ouais. Alpha, la forme? Merci Alpha 54 pour cette information. Mais ça fait plaisir. Boyan, je te laisse enchaîner pour la suite, vas-y, fais-toi plaisir. Alpha, peut-être que tu t'es mute sur TeamSpeak, Alpha, je sais pas. Donc ouais, on a préparé des petites questions. Merci en tout cas d'être là, d'être avec nous. Donc on va passer un petit peu en revue différents sujets. Oui, ensemble, yes, c'est bon maintenant. Deux Alpha, t'es là avec nous. Renvoie la cam, mets bien nos audios et on pourra tous apprécier ta beauté et ton joli setup. Du coup, cette saison a été très très longue. On va commencer par cette finale absolument inattendue. Donc, vous avez réussi à faire tomber votre bête noire de BDS. On vous pose toujours la même question. Quand vous perdiez, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Là, vous avez gagné. Comment vous avez fait? Est-ce que vous aviez un plan de jeu? Ferripic, cette question est pour toi. Donc, comment vous avez fait pour battre cette équipe de BDS? Bah déjà, comme je l'avais dit, on a beaucoup plus joué au jeu que pendant la saison en général. Parce que pendant la saison, je pense que à partir du genre début deuxième split, on a chacun eu nos hauts et nos bas. Et je pense que chacun, à un moment donné, jouait pas assez. Ou alors, on était jamais tous au top, quoi. Genre, c'était chacun le tour, un peu, on va dire. Du coup, là, vraiment, pendant les 30 derniers jours, on a vraiment tryhard à fond. Et... on a joué de la ranked tous les jours, voilà, on était tous ensemble tout le temps. Et je pense que c'est ce qui a joué. Après, on était super déter pour le jeu, voilà, comme les gens le savent, on est un peu... parfois, on a un peu du mal à rentrer dans les tournois, mais là, dans les gros tournois, en général, on essaie toujours d'être là, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour l'être. Et là, vraiment, on était déter, on n'a pas arrêté de jouer, on était à fond tout le temps. Le bootcamp, toute la semaine, on a joué. Et une fois arrivé, bah, Top Block on a montré qu'on était là pour gagner. Et après, contre BDS, on a déroulé le jeu. Et même si je pense qu'ils ont eu un peu de mal en premier BO, le deuxième, je pense, c'était vraiment un vrai BO Vitality BDS. Et je suis content qu'on l'ait remporté. De quelle manière vous avez travaillé pendant ce bootcamp? Est-ce que ça fait la différence, K-Dub? Du coup, cette question, elle est pour toi. Est-ce que ça a été bénéfique de préparer ce championship tous ensemble? Bah ouais, après le bootcamp, c'est vrai que ça nous a mis dans l'ambiance. Je pense que même Vitality, ils ont tout fait pour nous mettre à l'aise. Donc déjà, c'était sympa. Après, ce qui a changé des autres bootcamps, je pense, parce que c'est vrai que notre expérience en bootcamp n'avait pas été exceptionnelle jusqu'à là. Et là, je pense que, je sais pas, il y a eu quelques changements. Les joueurs, on a peut-être fait un peu plus comme chez nous. Contrairement à avant, on commençait à se lever tôt, etc. Là, on a un peu pris nos aises et on a un peu joué comme chez nous. Moi, j'avais mon écran 360 Hz. C'était des nouveaux PC. Donc c'était super fluide, parce qu'avant c'était moins fluide que ça, donc non, là je pense ouais, le bootcamp nous a bien servi, honnêtement. Ça nous a bien mis en jambes, quoi. Et est-ce que vous avez travaillé des phases spécifiques, des actions spécifiques? En fait, ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous travaillez ensemble tactiquement, si vous travaillez ensemble tactiquement. Bah, c'est ça, sur Rocket League. Des points en ranked, Kid Apple. Voilà. Non, sur Rocket League, c'est une légende, hein, ça je pense, les stratégies. Honnêtement, on a tous un peu notre style de jeu, certes, mais... jamais on se concerte à 3 et on se dit vas-y, on va faire ça tout le match ou quoi. Je pense que c'est la pire des choses, limite, qui peut arriver sur Rocket League. Celle-là, il y a déjà des équipes qui ont essayé, je pense pas que ça a forcément fonctionné. Je pense que contre BDS, ce qu'il fallait, c'est qu'on soit solide en défense, et ça l'a été. Qu'on marque nos actions, parce que contre eux, c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu pas mal d'opportunités à chaque fois de briller. Au final, on a trotté complètement. Et ouais, être solide surtout en défense, je pense que c'est ça qui nous a permis de gagner. Aussi, pas de prendre de but bête sur kick-off, parce qu'à chaque fois, ça arrivait. Les overtime, on les gagnait rarement contre eux. Là, on en a gagné beaucoup plus qu'eux, je pense.
Donc ouais, tous ces petits détails qui font que voilà, là on était full focus et on a réussi à être solide quoi. Du coup, Ferripic a parlé de... J'avais une question sur la baisse de performance pendant le troisième split. Ferripic a donné sa version. T'es d'accord avec lui, K-Dop? Il a dit que vous avez moins joué. Comment t'as vu, tu l'as vu, toi, ce troisième split? Après, comme toi, tu l'as dit, c'est une saison longue. Franchement, BDS, ils ont, comme je l'avais dit, ils ont vraiment réalisé un exploit hein, pour moi. Franchement, ils ont été top 1 toute la saison. On peut pas se le cacher. Donc... je dirais qu'on a passé en soi une bonne saison. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais en soi, quand tu regardes nos résultats, c'était pas catastrophique. De pas avoir Vitality en finale, les gens ils s'offusquent, mais au final, même oui. Si tu fais une petite demi ou un quart, c'est pas si catastrophique que ça. Tu prends des points. On a fini top 2 avec beaucoup de points d'avance sur le top 3 en réalité. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une saison mitigée? Je pense pas. Je pense que c'est super dur. Toute la saison elle est longue, c'est tout le temps les mêmes formats. D'être motivé à jouer, tu vois là, je pense qu'on était tous super motivés pour ce tournoi-là et au final ça a carrément mieux fonctionné parce que bah aussi faut la motivation des joueurs et malgré que je sais que c'est notre travail etc, mais c'est vrai que les enjeux étaient pas fous toute la saison donc puis c'est vrai qu'on a galéré aussi hein, on a eu nos phases etc donc ouais. Un peu mitigé quoi. Tu fais la transition vers une autre rubrique de l'interview, ah. C'est le format des RLCS, donc c'est parfait. Alpha 54, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison, de son format, de ce rythme de match? Et Bashi Fifi, après je vous donne la parole, après ces trois questions-là. Le format, en vrai, il était bien le premier split, je crois que c'était le round suisse. Mm-hmm. Et là, j'ai bien aimé le format-là. Et le deuxième format, je ne sais plus c'était quoi, mais je crois que c'était vraiment tout claqué, ouais, mais double. Je me rappelle plus. Raquette à élimination double. Ouais, voilà. Ou alors c'était le troisième, mais il y a un des deux splits où c'était vraiment... J'ai pas aimé, je sais plus si c'était le deuxième ou le troisième. C'est celui avec un bracket gigant, c'était le deuxième. Ah bah celui-là je crois qu'il était claqué. Ouais bah ça devait être celui-là qui était nul. Et le troisième, bah c'était le même format Worlds de d'habitude je crois. Donc ouais, le troisième c'était bien. Et le deuxième il était vraiment pas ouf. Premier, troisième c'était bien. Mais... voilà. Et il y a dans l'ensemble trop de matchs ou pas assez? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux jouer plus ou moins? Ah non, c'était bien là, il y avait beaucoup de matchs, mais en vrai, je sais pas, peut-être The Grid c'était un peu trop par rapport à ce que ça valait en fait. C'était un peu un tournoi useless et il y avait beaucoup de matchs pour ce que ça donnait. Et en vrai, sans le The Grid c'était bien, je pense. Transition parfaite vers la question suivante. The Grid, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que The Grid doit continuer? Et si oui, avec quel format? Genre lequel vous avez préféré? Ferripic. Franchement, j'ai vraiment pas trop aimé aucun des formats de The Grid. Je pense que le mieux, ça aurait été le premier, mais avec une équipe éliminée au début, en fait, tout simplement. Parce que là, en fait, je sais plus quel, je crois que c'était peut-être le premier ou le deuxième, mais où il y avait 4 groupes de 4. Et qu'il n'y en avait aucun qui a été éliminé, c'était ouais, genre c'était le premier, nul en fait. C'était débile quoi, parce que bah, au final ça servait à rien de limite, on pouvait trop perdre tous les matchs sans jouer et puis arriver après gagner. Je pense vraiment que le The Grid devrait continuer, mais vraiment sous une autre forme. Alors je sais pas laquelle, j'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que vu comment c'est maintenant, si c'est un peu nul. Faudrait qu'ils arrivent à le faire en sorte que soit pendant les espèces de mini-off-season, parce qu'au lieu de nous bourrer de tournois pendant un mois, et après qu'on ait une pause de limite un mois encore, et qu'après on joue le truc, je trouve que c'est débile, quoi. Autant qu'on joue moins pendant un mois, et qu'après, pendant l'autre mois, bah, on joue le The Grid, quoi. Ce serait beaucoup plus logique. En plus, ça donnerait vraiment une raison de tryhard un tournoi spécifique, plutôt que de tryhard l'RLCS, après t'as le The Grid, après t'as l'RLCS, après t'as une semaine sans rien, après t'as le The Grid, après t'as l'RLCS, comme ça c'est un peu chiant et on comprend pas, on sait pas trop quel tournoi on doit jouer, on sait pas qui on joue tout le monde tout le temps, c'est un peu relou. Le fait de jouer effectivement les adversaires tout le temps, c'est un mal ou c'est un bien, K-Dop? Bah, je dirais que c'est un mal, hein, honnêtement, je trouve que ça gâche un peu... C'est vrai que les jouer tout le temps, bah après pour revenir au The Grid, c'est vrai que le The Grid, déjà quand, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que quand t'étais déjà bien classé dans le split, le The Grid te servait strictement à rien, tu vois. Et même moi, des fois, on faisait un mauvais The Grid, j'arrivais en stream, les gens avaient l'air dévastés, mais au final,
enfin, c'est dommage que de jouer des matchs RLCS entre guillemets et que ce soit pas important, tu vois. Je pense que tous les matchs RLCS, dès qu'il y a le nom RLCS dedans, ça devrait être au moins super important, même pour ceux qui sont bien placés pour le split. Et au final, c'était pas du tout le cas. Toute la saison, c'est vrai que des fois, tu te tapais des matchs pendant 3 semaines et après un mois et demi, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi. Après, voilà, après aussi, est-ce que le format n'est pas étudié pour les LAN et que du coup, bah, t'as l'impression de jouer que des matchs qui servent à rien. Et au final, avec une LAN, ça pourrait peut-être être mieux, tu vois. Mais je sais pas trop. Après, c'est difficile, je pense, pour tous les jeux. De manière, ça a été difficile. Donc, en soi, je dirais qu'on s'en sort bien. On a eu plein de tournois, donc on peut pas se plaindre non plus. Mais c'est vrai que je pense que c'est un format plus pour les LAN, quoi. Ce sera beaucoup mieux la saison prochaine en LAN. C'est sûr. On espère. Question pour tous les trois. La nouveauté la semaine dernière, c'était les BO3 de BO7 ou de BO5, mais vous avez joué que des BO3 de BO7. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Alpha? Tu commences. Les BO3 de BO7. En vrai, c'était grave bien. Surtout le dernier contre BDS. Mais en vrai, BO3 de BO5, on n'a pas joué. Mais je sais pas. Je pense que c'était pas ouf. C'est mieux. J'aurais dû faire BO3 de BO7 pour tous les trucs, je pense. Même pour Solari Kesso, Top Blocks, enfin, je sais pas, BO3 de BO5, pour jouer ta saison, ça aurait été mieux vraiment BO3 de BO7 pour tout le monde. Mais par contre, ma cam est en train de me saouler, là. Attends. Et mon PC, il fait que de crash, ça fait, je crois que c'est la cam, elle fait crash tout mon PC. Attends, je vais essayer de rejoin. La technologie à 17 ans, c'est pas facile. Hein. À 18 dans 3 jours. Ça rebranche un casque. En vrai, c'était cool. Je pense que c'est vraiment un bon format parce que bah t'as beau, si tu rentres un peu mal de ton BO, au moins ça te laisse une chance de te rattraper. C'est vraiment là pour le coup. Je pense que si les games vont en genre 17-18 games, tu vois, c'est vraiment la limite de genre tu commences à être mort et tu peux plus trop jouer. Du coup, je trouve que ça teste vraiment la constance, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire une finale entre guillemets. Donc, bon, franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Je sais pas s'ils peuvent trop l'adapter à des tournois un peu plus petits parce que ça gâcherait un peu le type de format, je trouve. Mais sinon, en vrai, ouais, c'est sur des gros tournois importants, je trouve que c'est vraiment stylé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que ça soit rare, ponctuel de temps en temps, mais ça va être cool effectivement si c'est sur les très gros formats. Est-ce que ce serait possible pour vous, est-ce que vous envisageriez de pouvoir jouer par exemple un quart de finale en BO7, une demi-finale en BO7, puis une finale en BO3 de BO7, mais le même jour? Non, c'est trop. Ah, on pourrait, mais franchement, juste même s'il y a que des sweeps partout, au final, on joue quand même genre combien, 16 games. 16 games, c'est énorme. Et encore, c'est en comptant qu'il y a que des sweeps. S'il y a des overtime, si ça va en game 7, des trucs comme ça, c'est fini. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux le format actuel où en général, on fait qu'un match par jour, à la limite, peut-être deux. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que vraiment, tu rentres dans le match, tu sais que t'as que ce match-là et tu vas à fond. Alors qu'avant, t'as un match, après tu te dis ok, j'ai encore ce match enchaîné, après si on gagne, ça, limite ça te déprime, et parfois, ouais, je dis, enfin c'est pas vrai, mais limite t'as envie que ça s'arrête, quoi, au fond de toi, parce que bah, t'as pas envie de jouer pendant 3 heures d'affilée contre des grosses équipes, et à chaque fois qu'on perd, on rejoue. Genre je me souviens qu'on avait affronté BDS en revenant du loser bracket, et qu'on venait d'affronter, je crois, Giants, ensuite qu'on a affronté Dignitas, et qu'ensuite on devait affronter BDS... dans le machin, c'était terminé, quoi. C'était, même si on a bien joué, c'était crevé, quoi. C'est là qu'on a fait notre record d'audience, figure-toi, parce que justement vous avez traversé ce lower bracket, vous avez fait monter la hype, et là bim, 35 000 viewers grâce à vous les gars, vous nous avez gâtés, hein, avec vos performances. Sans vous on n'a pas de viewership, hein, sachez-le. c'est important de le noter. On a besoin de vous, on a besoin que vous performiez. Bashi, Fifi, je vous laisse la main. Moi, j'avais une question sur ce dont vous parliez un petit peu tout à l'heure, surtout pour Alpha. Est-ce que la saison, elle est pas compliquée quand tu mêles genre entraînement, plus match officiel, plus l'école, parce que tu avais l'école, toi, à côté. Est-ce que ça devient pas un rythme qui est genre impossible à tenir sur la durée? Tant donné que je fais rien à l'école, ça passe. Ça changeait pas grand-chose, mais non, en vrai, ça va. J'ai pas eu de problème sur toute l'année. Enfin, depuis que je suis pro, de toute façon... J'ai eu aucun problème entre gérer les cours et Rocket League, donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant, en vrai. Même s'il y a plus de matchs, la plupart du temps c'est sur les week-ends, les scrims, c'est après mes heures de cours, donc... C'est vrai qu'il s'est jamais plaint de ça.
Là, je peux témoigner. Ouais. C'était une petite excuse pour arriver en retard de temps en temps. Ça, c'est... Non, mais c'est pas eu, mais ça c'est pas ma faute. Si j'ai cours, t'as cru que j'allais me casser bon, comme bah, ça. Vois, là, là, bon, mais globalement, à part le The Grid, du coup, il y a vraiment de votre côté à tous les trois, il n'y a rien à dire. En fait, le format est cool, vous avez plein de matchs. Si on rajoute des LAN de temps en temps pour rythmer un petit peu le tout, vous kiffez le format en vrai. Ouais, LAN à la place des majors, là, ça aurait été parfait vraiment. Moi j'ai une petite question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur vos scrims, vos entraînements et tout. Voilà, que vous faites pas forcément quoi que ce soit à travailler en scrim pour préparer les matchs. Est-ce que à l'inverse, vous avez essayé de genre décortiquer un peu le jeu de BDS pour voir quelles sont leurs grosses forces et s'il y a moyen de les contrer en étant bien organisé? Parce que dimanche, on vous a vu super bien organisé, comme on l'a probablement jamais vu dans la saison. Donc, est-ce que vous avez fait ce travail ou pas? Après, en vrai, toute la saison, on les a joués. Donc, BDS, je dirais qu'on les connaît par cœur. Hein. Et même quand on a perdu contre eux, en vrai, ça s'est souvent joué, comme j'avais dit tout à l'heure, des détails. Donc, nous, on sait comment les jouer. C'est juste qu'ils jouent tellement bien que bah, même quand tu sais les jouer, bah, des fois, ça passe pas, quoi. Mais je pense que leur point fort, je pense, c'était la patience tout au long de la saison. Mmh. En vrai, ils ont bien attendu au niveau de leur défense. Et nous, on n'était pas patients. À chaque fois qu'on menait, d'un coup, on changeait notre playstyle et on commençait à trop ball chase ou trop aller vers l'avant ou donner des buts, tout simplement. Donc non, en vrai, moi, perso, j'ai pas trop décortiqué. Ouais, on a juste enfin, on en parlait vite fait, juste, mais c'était vraiment dans les grandes lignes. Quoi. On n'a pas fait une session de une heure où on regardait... leur replay et on faisait ok faire ça comme ça on l'a fait qu'une seule fois je me souviens et c'était genre 10 minutes, c'était juste sur un match on a vite fait regarder pour se remettre en jambe parce qu'on venait de prendre un gros 4-0 je crois ou un truc comme ça. Bah ouais, le seul truc qu'on avait remarqué pendant la session c'était leur 50-50 en fait. Ouais, en fait ils faisaient que de jouer des 50-50 qui allaient vers leurs potes et du coup on s'est dit c'est vrai que nous on le fait jamais. Au final je me souviens juste après on a joué Giants et on les a détruits genre vraiment c'était trop facile. On les avait arrachés sur le match. Et après, on était remonté contre BDS. Et on était en mode, ok, vas-y, cette fois, on est bas. Voilà, le match a été serré, mais on a encore une fois perdu parce que les games étaient serrés. Mais voilà, comme a dit Kedop, on perd sur des petits trucs un peu débiles, genre un commit alors qu'on devrait pas. Un truc comme ça, et contre BDS, ça, c'est puni direct. Quoi. Dès que t'es en 2v2 ou en 2v1, parce qu'ils mettent un truc, ils vont 90% du temps mettre la balle au fond. Quoi. Quand tu dis ils jouent que des 50 qui vont sur leur pote, tu veux dire quoi? Genre qu'il y a un mec qui cut quand le joueur est en train d'arriver vers un deuxième joueur, c'est ça? Non, en gros, ils le font un peu moins maintenant parce que la méta a un peu changé, mais avant en fait ce qu'ils faisaient c'était qu'ils étaient très patients et genre en fait dès qu'ils avaient un 50 à jouer, ils essayaient pas forcément de le gagner mais ils le perdaient à un endroit où il n'y avait pas les mecs, enfin il n'y avait pas d'adversaire et il y avait toujours quelqu'un qui suivait derrière et du coup je pense qu'ils devaient call 50 à droite ou un truc comme ça et... Le mec, ça se voyait, il bougeait tout le temps un peu vers le 50 et au final, après, il avait une free ball mid et c'était giga free pour lui. Tu vois, genre quand t'as Monkey Moon qui t'arrive en 1v1 dessus alors que toi, t'es dans une position de merde dans les buts, t'es pas refait, quoi. Ouais. c'est surtout dans les corners, en fait. Quand ils arrivaient dans les corners, toutes les équipes, elles envoient le ballon et souvent, ça mène sur rien du tout. Eux, en fait, s'ils avaient pas de boost et qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas faire de passe, en fait, ils jouaient des 50. Et c'est vrai que à l'époque, pas grand monde le faisait, il y avait même qu'eux. Du coup, puis ils le font d'ailleurs toujours très bien. Hein. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on essaie plus de faire ça, quoi. On a un peu copié. Il faut, en même temps, il faut ça. Oui, il faut, oui. Il faut prendre ce qui réussit chez les autres. C'est ça. Bachit, je pense que c'est le moment aussi de placer ta question qui concerne le dimanche particulièrement. Ah oui. C'est surtout une question pour Ferry et Alpha. Plutôt pour Ferry, parce que ça fait plus longtemps. Tout le monde parle du K-Dub du dimanche, le K-Dub du troisième jour, le K-Dub qui va à Shine, K-Dub de LAN, tout ça. Est-ce que ça a un impact sur le terrain? On le voit. Mais est-ce que K-Dub il a un impact sur le mental? Parce que quand on le voit en stream, quand on te voit en stream K-Dub, on se dit pas que tu boostes tes coéquipiers, que tu vas les encourager, tout ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans tous les jours? Parce qu'on a l'impression que ça... qu'il n'y a pas que K-Dub qui est boosté, il y a toi, Ferry, il y a Alpha, vous avez même un peu pris cette capacité à pop-off dans les moments qui sont très importants. Donc est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre com, qui se passe autour de K-Dub ou pas, ou juste vous êtes des shiners quoi? Ferry. En vrai, moi je me souviens juste en saison 7 où en vrai il m'avait vraiment bien motivé.
Il m'avait vraiment bien motivé en sortant du lit, tu vois. À peine au réveil, il était déter, ça se voyait. Du coup, genre en vrai, toute la journée, on était chaud et tout, c'était cool. Mais après, cette fois-ci, tu vois, bah, on était vraiment tous déterminés, je trouve. C'était vraiment, on était tous là au restaurant, on était en mode, on n'arrêtait pas de parler de la game et en mode, vas-y, on va faire ça, j'espère qu'on gagne, ce serait trop stylé et tout, machin. Au final, on a tous joué toute la journée, on était méga déter. Si ça a un impact, je sais pas, mais en tout cas... J'avais annoncé le 4Z. Ouais, il avait annoncé le 4Z. C'est vrai. Et non, en vrai, juste qu'on était... Je sais pas, on était déter, quoi. On a tous une mentalité dans l'équipe qui fait que même quand on perd ou quoi, on tilte vraiment pas. Donc là, on était tous déter. Dès qu'on prenait un but, on était en mode, vas-y, pas grave, tranquille, machin derrière. Même qu'on prenait 2-0 ou quoi. Et non, je pense vraiment, ouais, on était trop motivés, on s'en battait les couilles de prendre des buts, on voulait juste prendre du plaisir et gagner. Et là, ouais, après, cette fois-ci, je pense que vraiment, on était tous prêts, on avait travaillé toute la semaine pour gagner. Et le jour J, il fallait pas se rater, quoi. Ça fait un peu de la péter dire ça, mais genre vraiment, sur le moment, t'as pas le droit de pas bien jouer, quoi. C'est vraiment, t'as fait toute la saison pour ça. Là, c'est ton moment, tu vois, c'est maintenant que tu dois prouver tout, quoi. Et vous arrivez bien à bien le vivre, ça, ce fait, cette pression, parce qu'on aurait pu être compliqué. Ferry, je me rappelle, je crois que c'est la première fois où vous êtes en saison 5, si je dis pas de bêtises. On te voit quand tu sors de la finale, t'es tremblant, t'es transporté par l'émotion. Et j'ai l'impression que toi, ça t'arrive beaucoup moins. Maintenant, t'es beaucoup plus serein. Genre, tout ce week-end, on t'a vu très fort, de partout, tout le temps, jamais un petit peu tremblant. J'ai l'impression que t'as un peu récupéré aussi cette capacité à être... comment on peut dire, présent au moment où ça doit compter, en fait. Bah, parce que t'as pas le droit de choc. Moi, quand je rate un truc ou un but que j'aurais pu mettre, je m'en veux beaucoup. Donc, je pense que c'est un peu pareil pour Alpha Kidop. Du coup... Non, mais tu vois, il y en a, genre, ils prennent un but, tu vois, ils sont en mode, ils sont dépités de... Enfin, tu vois, ils sont pas deck de la même façon, tu vois, en général. Et du coup, moi, tu vois, quand on se prend un but, même si il y a 1% c'est de ma faute, bah, je suis deck parce que je sais que j'aurais pu faire autrement. Du coup, bah... Je sais pas, dans ma tête, je suis vraiment en mode, j'ai pas le droit de faire une seule erreur et je mets toutes les chances de mon côté pour pas que ce soit le cas, quoi. Genre, je dors le temps que j'ai envie de dormir, je joue quand j'ai je joue la dose que j'ai envie de jouer et tout. Et comme ça, je sais qu'au moment où je vais devoir jouer, bah, je vais vraiment jouer du meilleur que je peux, quoi. Ouais. Il y a un truc qui a pas mal fonctionné ce week-end, c'est aussi une nouveauté depuis récemment, c'est les time-out. Qu'est-ce qui vous a dit, Moot, dans le time-out de cette finale et quel est son apport de manière générale? C'est un petit peu bizarre, entre guillemets, d'avoir un pote qui est votre coach. Ouais. Qu'est-ce qui vous apporte pendant les time-out et quelle est votre relation de manière générale, K-Dop? Qu'est-ce qu'il a dit dans le time-out déjà ou... Ouais. Ouais, bah dans le timeout, dans le... Ouais, le premier, je me souviens, bah je crois qu'on a même pas fait du coup. Non, dans le deuxième, en fait, ce qu'il nous a dit réellement, c'est que, et je pense que tout le monde l'avait capté, c'est que Alpha, il était tellement chaud du 4-0 qu'il s'est un peu trop donné pour le deuxième match. Et en fait, c'est quand il a commencé un peu ball chase et justement refaire un peu les erreurs d'avant, quoi. Mais en vrai, et du coup, on a tous un peu mal joué, tu vois. Mais je pense que ça venait un peu du fait qu'on avançait trop vers l'avant et qu'on perdait notre patience. Et Mood, bah, il nous l'a dit directement, quoi. Donc, voilà, il y avait un peu que ça à dire, en vrai, quoi. Alpha, quand il commence à ball chase, il va tellement vite sur une action et il colle tellement tôt que t'es là, genre tu l'as bien, t'as même pas tant le call que tu l'as, qu'il est déjà en train de voler et se mettre au plafond et faire « Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. » Il est en train de faire un triple flip reset, t'es « Ok, on va back, quoi. » Et après, ce qui est bien aussi le timeout, c'est que ça casse un peu le rythme de l'adversaire, quoi. Ça, c'est quand ils mettent 2-0, ils doivent s'arrêter 2-3 minutes, donc ça peut fonctionner aussi, quoi. Ouais. Puis surtout, ça, même genre entre une game, quoi, il y a une minute, même pas. Du coup, dans nos têtes, on est là, on perd, on est en mode, vas-y, vraiment, on revient, on les démonte. Au final, le temps de se poser 2-3 minutes, bah, on arrive à se poser et à se dire, ok, c'est bon, on va se calmer, on rejoue comme avant. Parce que même si tu te le dis, en 30 secondes, t'as pas le temps, tu redémarres, t'as envie de mettre un but direct, quoi. Parce que tu vois, BDS, la première game, ils l'ont mis au 3-0, le time-out, il me semble. Ouais. Du coup, c'est un peu tard, quoi. C'est trop tard. Que nous, au 3-0, la dernière game, on est ultra chaud, quoi. On sait qu'on peut mettre le 4Z qu'on avait prédit en plus. Donc, ouais, et puis même si on perd une game, bah, c'est même pas grave, quoi. Au final, derrière, on a encore 3 balles de match. Donc ouais, non, en vrai, c'est pas.
C'est, je pense que c'est un mauvais play de la part de Mr. Kell de call le timeout trop tard. Alors, je pense, à mon avis, il s'est dit, vas-y, j'ai la meilleure équipe du monde. Après le 2-0, ils vont forcément revenir, ça n'est jamais arrivé. Au final, c'est pas arrivé et c'était vraiment la seule fois où il fallait peut-être qu'il fasse un timeout tôt. Il a tellement jamais call de timeout de tout le truc que je pense que. Peut-être qu'il savait même pas qu'il y en avait, il découvrait ça. peut-être. Ah, attends, on peut couper les timeouts. Ouais. C'est, je pense que c'était une erreur. Il aurait appelé au 2-0, peut-être ça aurait été différent. Après, je sais pas. Il jouait vraiment d'une façon spécifique. C'était, je sais pas, ça se voyait, ils étaient, il y avait un mix de stress, de non-trust et de plein de trucs. Vous pensez que c'est dû à quoi d'ailleurs, ce résultat de BTS? Est-ce que c'est la pression? Jamais ils sont arrivés dans un event aussi important, entre guillemets, même si c'est pas une grosse LAN, ça reste quand même la concrétisation de toute la saison. Est-ce que c'est juste un moment où ils étaient pas dedans? Qu'est-ce qui s'est passé selon toi, Alpha? En vrai, peut-être qu'ils ont pris la pression BD sur le dernier BO, vu qu'ils se sont dit on a tout gagné pendant toute l'année, ils ont pas vraiment eu. Enfin, on était bon au premier split, mais après, ils ont pas vraiment eu beaucoup de concurrence. Donc, je pense qu'ils avaient pas du tout. C'est dommage. Bonne question, Bachir. On a bien fait jouer en bootcamp quand même. Hein. À tout moment. Mais ouais, pour reprendre ce qu'il disait, en vrai, c'est vrai que. Gros, mon PC fait que de bugger, j'en ai marre. C'est trop, frère. Attends. T'es toujours là à la cam, en tout cas, et on t'entend. Attends, j'essaye de relancer. Mais je sais même pas, j'en étais à où, je sais pas, j'ai bugué quand. T'as dit après le premier split, ils avaient pas trop de concurrence. Ah ouais, bah je voulais dire qu'ils avaient plus trop de concurrence et donc ils se sont dit que bah, c'était les autres splits c'était gratuit, ils allaient au Worlds et là c'était vraiment, ils ont fait une saison quasi parfaite. Et il leur manquait juste ce titre-là pour concrétiser leur saison. Donc je pense qu'ils ont pris beaucoup la pression sur le dernier BO, surtout comme on s'est parti. Vu qu'ils se sont dit, putain, on est en train de prendre 2-0, après 3-0, après 4-0. Ils se sont dit, là, ils sont chauds en face. Et je pense que ça les a vraiment perturbés de ouf quand on joue aussi bien. Et vous l'avez vécu comment de votre point de vue? Est-ce que vous étiez content ou presque un petit peu déçu qui s'effondre et que vous puissiez pas les battre sur un grand... Ah non, c'est pas mon problème, ça. Si vous pouvez en goal à tous les matchs, moi je dis... Donnez-moi la victoire. Voilà, il y a que les spectateurs qui peuvent être déçus que... Voilà, mais nous, si c'est 4-7-4-Z, on était contents. Le moins bien il joue, le mieux on est content. C'est ouais, non, ouais. En vrai, par contre, le seul truc, c'était vraiment, tu vois, on rigolait sur le 4-0, mais j'avoue qu'il y aurait eu 4-0, tu vois, ça aurait été un peu bizarre. Tu vois, ça aurait été un peu en mode, ouais, voilà, bon, vraiment, ils sont pas dehors au jour. Là, au moins, tu vois, il y a eu le deuxième BO, il était vraiment cool. Oui, il était vraiment plein de pression et tout. Donc, je pense que c'était cool pour tout le monde de regarder ça, à mon avis. Ouais, je pense que ça nous annonce une saison prochaine plutôt extraordinaire. Donc ça c'est quand même plutôt cool qu'on ait ces deux équipes, hein, 5 Français en finale, c'est absolument extraordinaire. Je voulais vous poser une question sur Gauthier, donc votre manager qui vient du monde du sport, médaillé olympique. Qu'est-ce qui vous apporte Alpha 54, toi qui aimes le foot, qui est sensible un petit peu au sport, qu'est-ce que tu penses de la manière dont vous travaillez avec Gauthier? Qu'est-ce qui vous apporte? Je sais pas comment expliquer. Demande la question à quelqu'un d'autre, je sais pas comment expliquer. Ferry, K-Dub, vous vous sentez? Ouais, on peut répondre. Hein. En vrai... c'est pas le même monde, du coup en fait on a du mal un peu à se comprendre, enfin tu vois, on est très amis entre guillemets, mais on a un peu du mal à se comprendre sur certains trucs. Lui il voulait absolument qu'on vienne en bootcamp, nous on était complètement on avait vraiment pas envie d'y aller, surtout pour Alpha qui avait le bac le jeudi matin, on trouvait ça complètement débile, hein, clairement. Et au final ils nous ont vraiment forcé, ils nous a dit vraiment viens, tu verras, fais nous confiance et tout. On leur avait déjà fait confiance une fois pour un The Grid à l'époque, on s'était fait arracher. Un autre The Grid, on avait joué plus ou moins bien, mais en vrai, les autres équipes jouaient vraiment pas très bien. Donc là, on est en mode, mec, c'est toi le plus difficile de la saison, on va pas venir à ton bootcamp, alors qu'on joue tous très bien chez nous. Et du coup, au final, on a dit qu'au final, on a accepté. Mais je pense que c'est plein de petits trucs comme ça où nous, on n'est pas chaud. Peut-être il a une vue extérieure et il se dit qu'on jouera forcément mieux, alors que nous, on est un peu bloqué sur certaines idées.
c'est bah, je pense qu'il nous a, c'est vraiment un bon ajout. Un bon ajout. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est genre. Ouais, il nous explique plein de trucs que nous, on n'a pas trop l'habitude. Et je pense que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien pour l'équipe. Après, c'est vrai que ça fait un peu chier de temps en temps. Il nous force un peu la main sur certains trucs, mais en même temps, au final, c'est pour le bien de l'équipe. Donc non. Ouais. Et puis après, par contre, il est très sympa. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. C'est il faut. On s'entend tous super bien. Bootcamp, il y a une ambiance de ouf. Donc, non, en vrai, je pense que c'est, ouais, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme ça de l'équipe qui nous permet de bah, d'apporter un avis même plus qu'extérieur, quoi, parce que c'est le même truc un peu, tu vois, sport e-sport, mais enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est il y a le même esprit de compétition, quoi. Ouais, il y a des similitudes, je pense que ouais, il y a des choses à apprendre et la preuve, voilà, vous avez très très bien joué avec ce bootcamp. Peut-être que sans ce bootcamp, vous auriez aussi bien joué, mais bon, ça on saura pas. Question sur Vitality, du coup, vous représentez la structure la plus grosse de France, la plus populaire. Vous avez énormément de supporters, hein, pour preuve, voilà, tout le monde revient sur Rocket Baguette lorsque c'est à vous de jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met la pression? Est-ce que vous le ressentez via les réseaux sociaux ou via peut-être le chat? Est-ce que ça vous met de la pression? J'allais dire K-Dop, mais K-Dop, la pression, tu connais pas, toi. Oh, si, après tu sais, je pense jouer sous pression c'est bien aussi, hein. Après je pense tous les tournois, tu sais, quand tu gagnes un tournoi, ça a bugué, non? Non, après ouais, la pression ça aide, hein. Après tu sais, quand tu gagnes un tournoi d'une manière, tu recommences à zéro après, donc tu l'as toujours, la pression, hein. Justement, faut bien la gérer et non, le réseau après, non, moi je suis avec depuis longtemps, donc... Ouais, et puis on va dire la pression, c'est genre les gens pensent qu'on a zéro pression quand on va en match, c'est juste que non, nous aussi, tu vois, on stresse un peu, mais c'est juste qu'on a, on en a tellement joué des tournois que bah on arrive à la canaliser. Au final, en général, c'est un peu comme pour tout, tu es un peu stressé avant le match, et dès que le match commence, en fait, t'es à fond dans le match et t'es plus du tout stressé ou quoi que ce soit. Personne fait de miss parce qu'il tremble ou quoi que ce soit, sauf moi à la fin des RLCS saison 7, voilà, petite tremblote sur une clear, bon. Mais bon, là encore une fois, c'était vraiment le dernier truc, c'était à la fin, c'était... En général, on arrive à gérer un petit peu, quoi. Et non, en vrai, ouais, c'est... Les réseaux sociaux, bon... Ouais, il y a toujours des mecs qui sont un peu complètement à l'ouest et qui savent pas... qui savent pas toucher une balle et qui comprennent rien au sport ou à l'e-sport et qui essayent de dire comment fallait faire ou fallait faire quelque chose alors que le mec... il a jamais ouvert Rocket League de sa vie, bon, c'est triste, mais voilà, il en faut partout, quoi. Waouh, what the fuck. Ça vous affecte, ça, les gars? Parce que nous, ça nous affecte, hein, dans le chat, ouais. Très honnêtement, lorsqu'on lit ces trucs-là, mais nous, on pète un câble, on tilte complètement. Est-ce que vous, ça vous affecte, Non, moi j'aime bien, parce que justement, à la fin, genre par exemple, quand j'ai fait une perf de merde au Major, bah en fait, t'as plein de mecs qui t'écrivent, tu vois, qui écrivent des messages gentils et tout, puis dans le tas, t'as toujours des mecs, genre... Tu vois, qui écrivent un truc complètement débile. Puis du coup, après, tu vas sur leur profil pour regarder s'ils sont bien débiles. Et effectivement, tu te rends compte que le mec est perdu. Et du coup, vois, ça donne des... Non, c'est... Ouais, il y a quand même des petits trucs sympas. Mais non, en vrai, ouais, il y en a pas beaucoup. Et les seuls qu'il y a, ils sont vraiment très graves. Donc, en vrai, c'est... Ça affecte pas vraiment, c'est limite plus marrant qu'autre chose. Tu es beaucoup plus philosophe que moi, Verit, beaucoup plus mature sur ce point-là. Moi, ça m'affecte beaucoup plus. Alpha, toi, ça te fait chier un peu ou pas du tout? Moi, je m'en fous, honnêtement. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Pas mon problème, honnêtement. C'est bien. Bashi, Fifi? Ouais, moi, j'ai une petite question pour Alpha. Ça fait un an et demi que cette équipe elle a été créée maintenant. Hein. Ça fait un long moment, on l'a presque oublié vu que la saison a été très longue. C'est ton premier titre majeur, si je dis pas de bêtises, oui. Depuis tes débuts sur Rocket League. Bah, quel effet ça fait? Parce que voilà, t'as joué avec Ferry qui a gagné beaucoup de titres, K-Dop, parce que ça vaut le coup de rappeler son palmarès, je pense qu'on en a pour un bon quart d'heure. Alors, qu'est-ce que ça fait de toi aussi, ouais, avoir enfin ta première... T'as boosté son ego sur toute l'interview. il faut le dire. Ça me fait plaisir. Bah, sûr, ça fait super plaisir. En plus, dans le contexte où on faisait des mauvaises performances depuis pas mal de temps... Là, d'un coup, gagner vraiment le dernier tournoi contre bah, la meilleure équipe du moment, ça faisait vraiment trop plaisir, honnêtement. Parfait.
C'est précis, c'est parfait. Mais je vais pas faire un monologue de 8 minutes si ce que j'ai à dire, c'est ça, genre. Oui. Ça arrive, non, ça arrive pas. Vous comprenez pourquoi je passe jamais en interview aussi. Y a pas de souci, Alpha. Ouais. Fais comme oui, chez toi, t'inquiète pas. Oui, c'est ça. J'avais une question aussi, ça concerne l'IWO, enfin l'Intel World Open, là, le tournoi des Jeux Olympiques, mais ça marche aussi dans le reste du temps. Est-ce que vous avez une pression particulière d'être la seule, ou on va dire la plus connue, équipe française, 100% française? Est-ce que vous vous dites, ah, on ne doit pas décevoir les fans pour l'IWO? Est-ce que vous avez une pression par rapport à Vita peut-être? Ou vous dites, on doit être qualifié, on doit être l'équipe qui va ressortir du qualifier? Ou ça vous passe complètement au-dessus? Ferry? Non, parce que le tournoi online, il est nul. Donc, ouais. On est assez d'accord. En plus, on le diffuse pas, c'est nul. Ouais. Après, moi, je suis concret. Hein, mais... D'accord, Ferry. Bah non, mais online, je veux dire, le tournoi, il est pas intéressant. Tu joues les Jeux Olympiques, c'est pour aller sur place et jouer contre d'autres pays. Là, on va jouer en online. Leur format, en plus, il est un peu claqué, on va pas se mytho. Donc non, en vrai, c'est limite, je préférais qu'en fait, il n'y en ait pas plutôt qu'on joue en online. Quoi. Genre, franchement... Le tournoi, bah on va tout faire pour le gagner, mais en vrai, non, c'est vraiment une grosse déception de ouf. Quoi. La thune, Ferry Pic, la thune. Mais même, le gagnant de la région, il gagne même pas un dixième du cash prize total. C'est... Alors après, ça reste beaucoup, évidemment, mais je veux dire, c'est... Ouais, non, là, c'est... Enfin, c'est vraiment Jeux Olympiques, juste pour dire que c'est Jeux Olympiques, mais c'est vraiment... Non, c'est pas intéressant, et en plus, c'est vraiment dommage qu'il ait fait comme ça. J'aurais préféré qu'il le reporte, plutôt que... De faire ce truc. Quoi. Ouais, on est d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. On est tous d'accord. Moi, j'ai fini. J'ai plus de questions, Boyan. Fifi, une dernière, peut-être ? Bah écoute, non, Boyan, je te laisse le mot de la fin. Bah effectivement, bah merci les mecs d'avoir accepté notre invitation. Félicitations pour votre titre de champion d'Europe. En attendant, peut-être de reconquérir votre titre de champion du monde l'an prochain, s'il y en a un pour la saison prochaine. Je vous laisse repartir. On va faire une petite pause, le temps de dire au revoir. Et on va revenir pour la suite de ce Baguette Flash. Ne bougez pas. Merci encore. Félicitations à K-Dub, Ferry Pic et Alpha 54, les champions d'Europe. Vitality, d'avoir été avec nous. Merci.